Salut à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo sur Assetto Corsa pour une mise à jour toujours très rapide, très sérieux chez Kounos. Donc encore une mise à jour, donc cette fois sur les courses, mais on peut vraiment organiser la course qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va s'organiser une petite course avec toutes les voitures du jeu. Il y a 22 places dans la course, je crois qu'il y a 22 voitures, donc ça tombe bien. On va avoir un peu l'intelligence artificielle. Bon, je pense qu'il y a encore des progrès à faire, mais c'est vraiment pas mal du peu que j'ai vu. On va faire un petit tour de circuit, on va voir tout ça. Et puis ça vous permettra aussi de découvrir un peu toutes les voitures qu'il y a dans le jeu. Je vous présente ici le showroom. Donc très sympa. On peut monter dans les voitures, regarder. C'est vraiment d'un détail extraordinaire. Allez, je vais paramétrer tout ça et puis on se retrouve sur la ligne de départ. Et nous voici sur la ligne de départ, donc beaucoup moins de voitures que prévu, 11 voitures au lieu de 22, parce que sinon je tombe à 5 images par seconde, ça rame à mort en enregistrant. J'ai déjà fait un test en tout seul, ça va, je tourne à 45, 50 images par seconde, mais alors quand j'enregistre c'est la mort. Donc je suis descendu à 11 voitures, c'est déjà pas mal, ça va nous faire une petite avant-première, mais à mon avis, attention, c'est des bourrinos, donc attachez vos ceintures. Ça, c'est pas bien du tout.
Et voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on a pu voir? À part que je suis très très mauvais, on a pu voir quand même que toutes les voitures gardent leurs caractéristiques. Hein. Il y en a qui sont en version course, donc elles sont ras-le-sol dans les virages, c'est redoutable, hein, les premières que j'ai vues là. Après, il y a des voitures de tourisme un peu plus sympas qui se débrouillent bien dans les petites parties courtes. Donc ça aussi c'est bien respecté. En fait c'est bien fun, ça va. On tournait bien, on tournait en un bon enregistrement à 30 fps. On a eu juste une petite chute à un moment. Et non c'est sympa, ça fait un petit peu circuit amateur avec toutes ces voitures. Voilà, allez, on se retrouve donc pour de prochaines aventures sur Assetto Corsa. Je pense très bientôt vu la vitesse des mises à jour. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de cliquer sur le petit pouce vers le haut si vous aimez. Allez, à bientôt.